expansion. C'est comme ça que commence notre histoire. L'univers est en expansion. À chaque instant, chaque seconde, il grandit, s'étale, s'écarte toujours un peu plus, imperceptiblement, sans se poser de questions, sans état d'âme. Pensez-vous que ça l'intéresse, l'univers, de savoir si son expansion dérange quelqu'un? Voyons, il est trop occupé. Il grandit. Pourtant, j'en connais moi certains que ça dérange. Mais ils ne le savent pas. Eux aussi sont trop occupés. Trop occupés à vivre ensemble, à sourire, à chanter. À plonger quand il y a de l'eau, à flâner quand il fait chaud. À sauter. Sauter de planète en planète. Vous voyez, ils sont vraiment trop occupés pour comprendre que, doucement, imperceptiblement, leur planète s'écarte. Elle s'écarte et eux s'amusent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce petit monde perdu est par bien des côtés très singuliers. L'une de ses particularités est que chacune des planètes qui le constituent ne compte pas plus d'un habitant. Un unique habitant. Ce monde pourrait leur paraître bien triste et solitaire si ces planètes ne se trouvaient être si proches les unes des autres que l'on peut en changer d'un simple saut. Hop ! Sauter, 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 sauter. Chanter, 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 chanter. Sauter, 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 sauter. Par exemple, quand on saute sur le crumon, on atterrit sur un sol un peu mou et collant, d'une douce couleur rose pâle, exhalant une odeur si appétissante qu'on aurait envie de lécher. Quel goût. C'est d'ailleurs ce que pense Grosse Biche, lui qui vit là sur le crumon. Ce que j'aime, c'est mâcher.
prenez votre temps, on attend qu'elle le tape. Ah, il devrait pas tarder. Ah, tenez, le voilà. Un caillou. Petit caillou, tout petit. À peine une planète. À sa surface dure et lisse, chaque son, chaque bruit, semble se transformer en une symphonie merveilleuse. Alors, quand Octave se met à chanter, c'est comme si toutes les planètes s'arrêtaient pour écouter cette voix venue d'on ne sait où. Et Octave aime tellement chanter que tout ce petit monde lui emboîtant le pas a pris l'habitude de chanter pour un oui et pour un non, en toutes circonstances et à tout moment. Chanter, sauter, rire et chanter. Je le sais. Et maintenant, sur la chaudière, le grand spectacle pyrotechnique. Nous voilà tous encore une fois réunis, attendant impatient le spectacle promis. Sans vouloir me vanter, ce ne sera que beauté. Surtout, installez-vous bien confortablement, que rien ne vienne troubler votre émerveillement. Entendez-vous gronder. Entendez-vous gronder. Entendez-vous gronder, ça va bientôt. C'est comme ça que se passe la vie sur nos planètes. Simplement, on saute d'une planète à une autre en ouvrant les yeux, on respire fort, on souffle, on chante et on passe à une autre. Et encore une autre. Chacun a ses petites habitudes. Par exemple, Plumard passe beaucoup de temps à scruter l'univers à travers sa planète d'eau. Il s'en sert comme d'une loupe. La planète est une porte vers l'infini. Aime-t-il à dire. C'est le premier à avoir remarqué que leurs planètes s'écartaient les unes des autres. Vous vous souvenez ? L'univers, l'expansion, c'est ça. Eux se disaient... Bien sûr que nos planètes s'écartent, c'est comme ça depuis toujours. Et hop, ils sautaient en riant et c'était reparti. Mais l'univers est en expansion. C'est comme ça que commence notre histoire. Et un jour, quand Octave voulut sauter, comme il l'avait fait des milliers de fois, pour rejoindre son caillou, il n'y était pas arrivé. Petit caillou, si petit, si léger, à peine une planète. Il est parti trop loin, oh pas beaucoup, un tout petit peu trop loin, imperceptiblement trop loin.
c'est déjà trop. Toi, l'oiseau, pourquoi pars-tu?
Rappelle-toi quand nous devions baisser la tête pour laisser passer nos planètes. Nous n'avions même pas besoin de sauter. Tu penses qu'un jour, toutes nos planètes n'en formaient qu'une seule, une seule et grande planète? À quoi bon tout savoir? Primar, tu te moques de moi. Toi, le plus grand curieux que je connaisse, toi qui passes ton temps à scruter l'univers à travers ta planète, tu vas dire que... La coque, l'avenir m'intéresse, mais le passé. Toi aussi, tu es triste. Non mais j'ai peur. J'ai peur car je sais ce qui va nous arriver. Regarde, grosse biche, il passe son temps à manger son chromo. Regarde-le, il grossit, C'est vrai, et ça lui va très bien. Ça rend sa voix plus grave. Quand il chante, c'est magnifique. C'est bien ce que je dis, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas qu'il sera trop gros, trop lourd pour sauter d'une planète sur une autre. Et après lui, ce sera nous. Sur nos têtes, bien sûr j'ai
De l'impossibilité de ce projet. Les arbres n'avaient pas été au rendez-vous. Sur le grumeau, avait poussé quelque chose qui tenait plus de l'énorme sucre d'orge. Dans les autres plumards, c'était une longue algue épaisse et sur la chaudière, un bâton sec et dur. Seul sur la planète aux oiseaux avait poussé un arbre magnifique, aux branches tendues vers le ciel, aux racines épaisses et noueuses plongeant profondément au cœur de la planète. Les oiseaux avaient tout de suite adopté ce nouvel arrivant, comme ils l'avaient fait quelque temps plus tôt avec Octave. Ils avaient pris l'habitude de venir se poser en ombre au creux de son feuillage. L'arbre semblait si grand. Il paraissait pouvoir accueillir presque tous les oiseaux. Et bien sûr, il disparaissait sans prévenir, laissant l'arbre seul. Seul. Non, il y a Octave qui est là. Mais où est-il? Je ne le vois pas. Octave. Octave avait disparu. La coque brochette, plumard et grosse biche l'avaient cherché en vain. Il était-il parti avec les oiseaux? Lui était-il poussé des ailes? Ils étaient prêts à tout imaginer, mais quand les oiseaux étaient revenus, Octave, lui, était resté introuvable. J'ai vu tant de beauté. J'ai vu tant de merveilles, mais j'ai dû les chercher. Cela en vaut la peine, il y a tant à trouver. Voilà ce que j'aime. J'aime ce que défouiller le fond de l'univers pour encore percer mieux. Pour faire de belles échelles, il nous faut tout d'abord trouver de jolies petites graines qui donnent de jolies pistaches.
continuons. Et oui, allons et continuons. Bien. Et maintenant, c'est l'heure de l'arrosage. Laissez faire l'artiste, le héros, le sportif. Ce plongeon-là, mes amis, vous n'êtes pas prêts de l'oublier. À la une, à la deux, à la trois, et c'est parti. Ça y est, les échelles sont installées. Les arbustes qui ont poussé sur la planète aux oiseaux ont séché et durci sur la chaudière, puis ont été assemblés à l'aide des algues cultivées dans les eaux de Plumard. Chaque planète est maintenant reliée aux cinq autres, et les échelles découpent fièrement le ciel en un quadrillage complexe. La plus longue des échelles a été nommée Libelle. Elle relie la petite planète, la grande planète aux oiseaux, à la petite planète de la coque. C'est un peu devenu l'axe central de nos planètes. Grosse biche, et d'une agilité surprenante. Il s'est découvert une nouvelle passion, grimper, il adore ça. Il arpente de long en large cette toile faite de barreaux qu'il compte et recompte. Je ne sais pas s'il en connaît le nombre exact, car vous vous souvenez, l'univers, l'expansion. Alors bien sûr, les échelles grandissent, les barreaux augmentent et grosse biche les compte. Yeah.
maintenant très rayonnante. Elle avait l'air timide et souriante, toute vêtue qu'elle était des plumes d'oiseaux. Et semblait découvrir avec étonnement cette partie inconnue de sa planète. Il faut dire que la planète aux oiseaux avait bien changé. Autrefois vide et lisse, elle est aujourd'hui couverte de plantes et de cours d'eau qui gagnaient à chaque instant un peu plus sur le désert. Tout était parti des plantations faites pour construire des échelles et de l'inondation que Grosbiche avait provoquée en arrosant les terres. L'eau avait creusé le sol, découpé des rivières, répandu la vie partout où elle allait, comme si la planète était réveillée d'un long sommeil et s'étirait, craquelait. Quand Brochette grattait une crevasse, c'était un volcan endormi qui crachait les montagnes. Plongé dans un ruisseau, il émergeait d'une mer. Les plantes étaient de toutes sortes et de toutes tailles, portant bien souvent des fruits charnus que Grosbiche, imitant les oiseaux, dégustait avec délectation. C'est sous le grand arbre qu'Octave avait donné rendez-vous à tous ses amis, là où tout avait commencé. Mes amis, regardez comme la planète aux oiseaux est devenue belle. Il y a tout ici. De la nourriture pour Grosbiche, des volcans pour Brochette, de l'eau pour Plumard, des fleurs, des arbres et toutes sortes de plantes pour toi, la coque. Et tout ça, c'est grâce à vous. Avec les oiseaux et Félix, nous voudrions que vous veniez tous vivre ici, avec nous, sur cette planète que vous avez aidé à rendre si belle. Mes amis, tout ce temps passé sur les échelles, vous savez bien que ce n'est pas la solution. Détachez-les. Laissez partir vos planètes. C'est ici, ensemble, que tout peut recommencer. Oh, comme était tout le temps, des jeux de l'insouciance. Quand nous étions enfants, savions-nous notre chance? Comment allons-nous faire?
On va applaudir tout le monde en parlant. Bravo à Milena. Bravo à Alma. Donc, excusez-moi. Donc Milena qui joue le rôle de Plumard, Anna qui joue le rôle de la coque, Octave qui joue le rôle de Lise. Lise qui joue le rôle de Brochette. Ange qui joue le rôle du bassiste. Victor qui joue le rôle du clavier numéro 1. Anna qui joue le rôle du clavier numéro 2. Et Michela qui a fait le reste. Et Ellie qui joue le rôle de grosse biche. Et merci à Marion de nous avoir accueillis. C'est vraiment super pour nous. C'est un format de 1h30 à peu près. Donc voilà, c'était super de jouer ici avec vous et dans une belle salle comme ça. Merci à la technique, à tout le monde. Merci beaucoup. Merci tout le monde.